il faut que ça aille vite parce qu'il faut que je donne un coup de main on fait peut-être après la buvette. Ouais, c'est galère pour deux minutes. Voilà, donc c'est déjà en train de tourner, mais je fais une coupure quoi. Alors je commence, donc Jean-Marc Chiquel, président du nouveau motoclub de Munster. Donc je voulais déjà te remercier de m'avoir donné un accès facile aujourd'hui, puisqu'au dernier moment, comme je te l'avais demandé, vous m'ouvrez les barrières. Tu peux nous dire ton ressenti par rapport à la journée aujourd'hui? La journée est exceptionnellement chaude, donc c'est peut-être un peu trop chaud, même les gens ils sont plutôt allés au lac aujourd'hui, à la piscine, qu'à la montée impossible, mais on est très content parce que on a quand même eu pas mal de public, la course est très très belle, et voilà, donc c'est notre 6e édition, c'est je pense une réussite. On n'a pas autant de monde qu'on espérait, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, dernière petite question. Je pense qu'il faut quand même beaucoup d'années d'expérience pour arriver à faire une montée impossible comme ça, où tu dois te poser la question avant, est-ce que c'est pas trop dur, Voilà, c'est faut connaître le niveau des pilotes. On a quelques pilotes qui font de la montée, donc c'est eux qui regardent pour la piste, moi je m'en occupe pas beaucoup. Et c'est eux qui ont décidé de faire l'enrochement et les paliers au début. Les paliers ils sont partis avec les différentes montées. Il n'y a plus que l'enrochement en haut, mais c'est un petit peu difficile aujourd'hui. Quoi. D'accord. Tu penses que quelqu'un arrivera à monter? Je pense que la dernière montée, ça peut encore être chaud. Même si Julien Perrin, il a apparemment cassé un peu la moto là dans la dernière montée. Quoi. Ok, ça marche. Bah écoute, tout a été filmé et puis on diffusera ça sur la vidéo comme d'habitude. Je te remercie. À bientôt. Bonne journée. Ciao. Salut.